Alors, évidemment, je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2024, en espérant qu'elle soit meilleure que 2023 et tout ce qu'on a connu. Et j'aimerais vous parler de quelque chose, c'est ce grand enfumage qui continue avec Macron et les médias, et même les autres politiciens d'ailleurs, malheureusement. Donc, de quoi s'agit-il ? Ben, c'est très simple. On agite un hochet, hein, donc là, par exemple, c'est l'immigration, pour nous dire qu'on va faire quelque chose. Et si on regarde bien, la coquille est vide. C'est vide. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a le même sentiment d'avoir été abusé, pris pour des cons, et il n'y a rien. Il n'y a jamais rien derrière. Mais comme tout le monde en parle, comme l'extrême gauche et une partie de la gauche, c'est-à-dire la NUPES pour citer les principaux, et le Parti Socialiste, Parti Communiste, enfin les habitués du marxisme, tous ces gens-là servent la soupe à Macron d'une façon incroyable. Parce que quand ils font croire, comme pour les retraites d'ailleurs, c'est exactement pareil pour l'immigration que le gouvernement est, je dirais presque méchant, presque dur, alors qu'il n'y a strictement rien. La seule mesure qui aurait dû être prise et que tout le monde aurait dû accepter, encourager, c'est fermeture des frontières définitive pendant quelques années, à 10 ans, 15 ans, et plus aucun migrant ne peut rentrer en France. Voilà la vraie mesure, la seule mesure réaliste, celle qui combattrait évidemment tout cela, sans oublier le fait de la reconduite aux frontières, etc., déchéance de nationalité, toutes ces choses-là. Il n'y a rien là dans ce projet. C'est comme pour les retraites, c'était pareil, il n'y a rien, mais ça a occupé le pays. Hein, c'est très simple. Donc, en 2024, on va continuer comme avant, en 2025, eh ben oui, 2026 et 2027. On va arriver à se retrouver avec, je fais une prédiction là, parce que ça m'amuse, avec un candidat macroniste labellisé Renaissance, LR, Centre, Modem et tout ce que vous voulez, et il sera élu par défaut, peu importe le nombre de voix. Du moment qu'il a 50% plus une voix, il est élu. Et je dirais que je vois deux candidats principaux qui peuvent avoir cette possibilité parce qu'ils sont 100% dans ce que veut Macron. C'est un, Gabriel Attal, qu'on est en train de nous monter comme une mayonnaise, et un autre qui, pour l'instant, est assez discret, mais qui pourrait jouer ce rôle, c'est-à-dire Bruno Le Maire. Voilà. Que je pense qu'Edouard Philippe est vraiment trop mauvais pour arriver à ce niveau. Mais ça, c'est une impression personnelle. En attendant, hein, ce qui s'est passé en 2023, bon, on l'a vu, c'était gravissime le 7 octobre dernier. J'ai vu des images que je n'ai pas montrées d'ailleurs parce que je trouve que c'était trop dur, trop difficile à regarder. J'ai eu des témoignages qui sont épouvantables, je le dis bien épouvantables. On n'avait jamais été aussi loin dans la barbarie. Alors après, quand on dit oui, Israël, il faudrait qu'ils se retiennent, la riposte est trop lourde, etc. Je souhaite à personne, je dis bien à personne, même à mes ennemis, qu'il leur arrive ce qui est arrivé là-bas. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Bon, allez, on va repartir sur de bonnes bases. On va se dire une bonne année pour 2024. Vous savez que tout est mal, tout va de plus en plus mal, parce qu'on est mal. Hein, ça, il faut pas se le cacher. Il faut arrêter d'ailleurs de se le cacher. Comme je l'ai mis là dans mes vœux écrits sur l'Observatoire du mensonge, en 2023, le pouvoir d'achat s'est effondré. Hein. On nous dit, même aujourd'hui, ça m'a fait rire, hein, c'était presque de l'humour, on nous dit, tenez-vous bien, le foie gras, c'est moins vendu que les autres années, et le champagne, pareil. Bah oui, effectivement, parce que d'abord, les prix ont tellement flambé de tout, hein, l'énergie, tous les produits qu'on a besoin, la nourriture, etc., que franchement, aller acheter des bouteilles à 40 euros et plus, il n'y a pas d'urgence.
Le foie gras, il y en a maintenant, j'ai vu, c'est à des prix pas possibles. Donc ça ne peut plus fonctionner. Il arrive un moment où on ne peut pas, quoi. Alors moi, je vais vous dire ce que je fais pour le jour de l'an, ça fait rire. Mais je l'avais déjà fait une fois, mais j'avais trouvé ça très bien. Et ben, on va faire saucisse frites, parce que ça, c'est sympa, c'est un bon repas, c'est convivial, et on va boire un bon petit vin rouge avec. Voilà. Bon, allez, je vous souhaite à tous une bonne année 2024. Et j'espère vous revoir encore plus nombreux. Alors franchement, partagez, faites un effort. Ça ne coûte rien, ça, de partager. C'est facile. Commentez, parce qu'on a besoin de commentaires. J'ai vu que sur beaucoup de sites, il y a des commentaires qui ne correspondent jamais aux articles. Sur mon site, heureusement, ça correspond à peu près aux articles, donc c'est sympathique. Et bonne année à tous les auteurs aussi, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux à nous avoir rejoints à l'Observatoire du mensonge. Et évidemment, à tous nos lecteurs, tous nos amis, etc., la famille, tatati, tatata. Et je vous dis à l'année prochaine. Merci.